l'Académie du Paradou. On attendait depuis longtemps leur première sortie sur le terrain avec des chaussures, avec un gardien de but. Et ils ont affronté ce qui se fait de mieux, il faut le dire, au niveau mondial en termes de formation, je dis bien au niveau des clubs. C'est vrai qu'une référence, c'est le FC Barcelone. La rencontre a opposé l'Académie du Paradou, la première promotion, rappelons-le. Ils sont âgés, c'est les U17 face au FC Barcelone, des U17 avec nous en direct à partir d'Espagne. Le président Zetchi. Président Zetchi, bonjour. Bonjour Marmal et bonjour à tous nos amis auditeurs de la chaîne 3. Alors, président Zetchi, vous avez dû être assailli d'appel le jour de la rencontre face au FC Barcelone. Effectivement, tout le monde attendait cette première sortie, donc beaucoup de sympathisants de l'Académie n'ont cessé d'appeler toute la journée et ça nous a fait énormément plaisir. Alors, on va rentrer proprement dit dans le match, 0-0 au-delà du résultat. C'était la première sortie de votre, je vais dire, de votre promotion. Elle jouait face à ce qui se fait de mieux, ça reste la référence au niveau mondial, le FC Barcelone. Alors justement, on dit, et vous allez nous le confirmer, disons la force du FC Barcelone, tout est construit sur la possession de balle. Or, il semble bien que cette fois-ci, la possession de balle était du côté du Paradou Athletic Club. Qu'est-ce que vous dites? Effectivement, il faut vraiment dire que nous avons été surpris par l'attitude des garçons qui ont véritablement gardé énormément et conservé le ballon, chose qui est normalement le jeu propre du FC Barcelone. Et comme vous le savez, les équipes du FC Barcelone jouent exactement de la même façon, de la plus petite des catégories jusqu'à l'équipe première qu'on voit toutes les semaines sur nos écrans de télévision. Alors, vous l'avez dit, la possession de balle, c'était, ça représentait quoi en pourcentage? Si vous avez les statistiques, la rencontre. Sans chauvinisme aucun, je pourrais dire qu'on avait à peu près 65% de possession du ballon. Les joueurs, vos petits ont évolué sans complexe? Et il y a eu vraiment les 10 premières minutes de flottement et de crispation. Il faut dire, Mohamed, et vous le savez mieux que quiconque, quand on arrive à Barcelone pour rencontrer le FC Barcelone, qui est une véritable institution ici en Espagne et même dans le monde, on a forcément un petit pincement au cœur et puis une petite boule. Donc les joueurs étaient un peu crispés au départ. Mais 10 minutes après, ils se sont vraiment relâchés et ont pratiqué leur football sans aucun complexe. Alors cette fois-ci, il y avait un gardien de but. Absolument, donc on a joué avec tout l'arsenal d'un footballeur professionnel, à savoir chaussures, protège tibia et gardien de but. Non, parce que d'habitude, j'avais eu l'occasion de voir vos petits ici à Hydra, quand ils jouaient, eh bien ils jouaient sans gardien de but. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais maintenant les garçons jouent sur le terrain en pied, et puis à 11 contre 11 avec gardien de but et chaussures, et donc tout l'arsenal nécessaire. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous ont dit les Espagnols. Ben, très sincèrement, je pense que au départ, le FC Barcelone, comme m'a dit un des responsables du centre, c'était absolument la première fois qu'ils se faisaient un peu malmener de cette façon, parce que souvent, ils ont le dessus sur les adversaires qu'ils invitent à jouer contre eux. Mais nous avons également rencontré à la mi-temps de la rencontre et puis même à la fin de la rencontre les responsables techniques des jeunes catégories. Et très sincèrement, ils ont été surpris par l'attitude des garçons et le niveau, j'entends, technique des gamins de l'académie. Alors 0-0, surpris, parce que ce qui rehausse votre performance également, c'est que j'avais eu l'occasion de voir, c'était mardi, disons en début de semaine, des jeunes qui venaient de France, qui ont joué également, je pense, dans la même catégorie, ils s'étaient pris un 5-1 ou un 5-0, ce qui rehausse votre performance. Effectivement, donc il faut dire que ils font exactement la même chose que leurs aînés de l'équipe première, à savoir donner des raclées à toutes les équipes qui viennent les affronter. D'ailleurs, ils sont champions dans deux ou trois catégories des jeunes. Donc pour nous, c'était véritablement un vrai test de grandeur nature et contre l'une des meilleures écoles au monde, si ce n'est la meilleure. Donc pour nous, c'était véritablement une évaluation très très importante par rapport à ces 4 premières années de travail. Il n'y a pas eu un de vos joueurs qui a tapé dans l'œil peut-être, hein, des Barcelonais? Très sincèrement, je vous dis qu'ils envoient deux de leurs émissaires pour suivre le match contre le Villarreal qui aura lieu donc samedi à 14h au centre d'entraînement de Villarreal. Et je pense bien qu'ils ont noté deux ou trois joueurs qui les intéressent. D'ailleurs, contre nous, il y avait un jeune Suisse qui était mis à l'été à milieu de terrain. Donc c'est un club qui est sans cesse à la recherche de valeurs sûres, et c'est un club qui recrute dans le monde entier. Ça vous renforce dans ce que vous êtes en train de faire?
Non, vraiment, nous sommes très contents du fait que nous trouvons sur le bon chemin. Et j'espère que ça donnera à réfléchir à tous les responsables du football algérien pour nous mettre véritablement à travailler dans les jeunes catégories et reprendre le travail de la formation qui est le seul chemin qui mènera le football algérien au résultat que tout le monde attend. Alors la question, et je terminerai par cette question, aujourd'hui c'est les moins de 17 ans, ils jouent comme ça un tournoi ou deux tournois, mais quand est-ce qu'ils vont avoir réellement de la compétition dans un championnat? Quand est-ce? Vous savez, ces joueurs, Mahmoud, aujourd'hui, sont sous contrat, ils sont à la disposition des équipes nationales, je l'ai encore répété à... Non, indépendamment, je parle du Paradou, je parle pas des équipes nationales. Oui. Vous savez, je pense qu'à partir de l'année prochaine, ils seront déjà versés en grande partie pour la plupart des joueurs de la première promotion dans la première équipe. Donc, il commencera à jouer déjà en équipe première du Paradou, je pense, au moins 5 à 6 éléments. Et là, c'est des joueurs qui sont partis sur des contrats à long terme avec le Paradou Athletic Club? Vous savez, nous, pour le moment, c'est des contrats de 3 ans, et puis ensuite, on espère que pour beaucoup d'entre eux, ils décrocheront des contrats professionnels à l'étranger. Sinon, ils joueront jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet objectif dans le club du Paradou. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'ils évoluent ensemble, il y a des automatismes qui sont en place. Or, il n'est pas évident, comme ça, de changer de club et de s'affirmer de la même manière. Effectivement, c'est-à-dire que nous veillerons toujours à ce que ces gamins-là soient transférés dans des clubs qui ont à peu près la même philosophie que la nôtre, à savoir un jeu basé sur la conservation du ballon, et j'espère qu'ils arriveront à trouver des clubs qui conviennent à leur philosophie de jeu et de travail, parce que c'est vrai qu'ils seront très très, je dirais, désaxés si jamais ils jouent dans des clubs avec un football différent. Merci, et puis votre match contre Villarreal, c'est demain? C'est samedi, donc demain il aura lieu au centre d'entraînement de Villarreal contre les U17 du Villarreal. Et ça sera également un match très très important parce que c'est un club qui travaille beaucoup dans la formation. Ils étaient déjà venus à Alger lors d'un tournoi, je me rappelle. Absolument, et là je pense que ça sera une confrontation de très bon niveau. Merci Monsieur Zachi, et bon vent à votre académie. Et oui, on merci maman. Et bonne chance pour tous ces merci. Jeunes qui constituent la première académie du Paradou Athletic Club. On reste sur la formation avec le